vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc bienvenue à toutes et à tous, il y a des nouveaux abonnés, donc merci beaucoup. La vidéo de la semaine dernière vient tout juste de sortir et donc je recommence un nouveau vlog pour cette semaine. Aujourd'hui nous sommes le vendredi, je ne vais pas vous parler de tricot puisque dans le dernier vlog je vous parle du tricot que j'ai fait jusqu'à jeudi, donc bon, à part hier soir où j'ai tricoté un peu, mais sinon voilà. Il n'y a pas eu grande avancée, donc je reviendrai ce week-end ou lundi de toute façon pour vous montrer mon cadeau de fête des mères. Quoi qu'il arrive, on se retrouve dans quelques jours pour parler de tricot, pour vous dans quelques minutes je pense. Mais je voulais juste vous montrer ce que je viens de terminer là à l'instant. Je vous avais parlé de ce livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur quand je suis allée à la FNAC. Je connaissais l'univers de Mes Petites Lunes, donc elle s'appelle Ariane Lauzon, c'est des mignonneries en barre. Et je m'étais dit, bon, ce serait cool que j'en fasse un pour commencer, forcément, il faut bien commencer par quelque chose, mais lequel? Parce qu'ils sont tous mignons. Et quand c'est comme ça, et pour celles qui me suivent, elles savent, quand je ne sais pas par quoi commencer, pour éviter de me poser trop de questions, je prends le premier. Comme ça, au moins, voilà. Donc là, c'est le petit chat qu'il y a en premier. Et donc, j'ai fait avec les tissus que j'avais. Je suis trop contente du résultat. Pour celles et ceux que ça intéresse de voir un peu ce que ça donne au fur et à mesure, allez voir, j'ai fait un réel sur mon Insta. Mais voilà, une fois fini, ce que ça donne. Alors, je ne m'attendais pas à cette grandeur-là. Je pensais vraiment que ça allait être plus petit, quoi. Et en fait, elle est trop mignonne. Je vous disais, hein, à offrir pour un baptême, un anniversaire ou quoi. C'est trop mignon. On peut faire, il y a 8 tenues différentes qui vont sur toutes les petites poupées, comme ça, sur tous les petits doudous. Et qu'on peut échanger. Donc moi je dis pour un anniversaire, on offre un chat, un chien, peu importe ce qu'on choisit, un lapin. Et on lui fait toutes les petites tenues comme ça, c'est ultra rapide hein, les tenues à faire. Le plus long c'est de faire le petit chat et puis de rembourrer surtout. Ça demande pas mal de rembourrage. Faut que j'en rachète de toute façon, puisque pour faire mes petites poupées au crochet, il m'en faut aussi. Donc voilà, mais après, quand on offre ça à une petite fille ou même un petit garçon, parce que moi là, je l'ai mis dans l'atelier. Mais je suis sûre que quand mon fils va le voir, elle m'appartiendra plus. Et c'est normal, je comprends. Donc voilà, trop mignonne. Et alors la broderie des yeux, du nez, n'est pas parfaite, mais ça fait toute la différence. J'ai mis un petit peu de fard à joues ici et je lui ai rajouté son nœud. Je trouve que ça fait une petite version vintage, comme ça. Je suis désolée pour le bazar derrière. J'ai coupé du tissu pour des prochains sacs et puis j'ai des ourlets de rideaux à faire qu'on m'a apporté, donc bon. Voilà, et ben voilà, je revenais juste pour vous montrer parce que je l'adore. Elle est trop mignonne, non? Donc il y aura certainement d'autres petites tenues qui viendront avec, et puis certainement un chien, un lapin, etc. Il y a 5 modèles à l'intérieur, dont un tout petit lapin qui est trop mignon aussi. Donc vous allez en revoir également sur la chaîne et je viens vous les présenter, enfin je viendrai vous les présenter comme ça de temps en temps. Je sais que c'est une chaîne tricot, mais bah voilà, je suis aussi passionnée de couture. Hein, donc quand je fais de la couture dans ce genre-là, je peux pas ne pas venir vous voir pour vous dire « Regardez ce que j'ai fait, c'est trop mignon quoi ». Et donc si vous aimez la couture aussi, c'est simple hein, à faire, il faut juste avoir un petit peu de temps devant soi, c'est tout. N'hésitez pas parce que dans ce livre, il y a des trucs trop beaux. Et même sur son compte Etsy, si vous voulez essayer, acheter uniquement un patron. Moi je sais que je vous avais dit, hein, le Triceratops, mon fils, s'il le voit, il va me le demander. Bon bah franchement, quand ça va me prendre, je vais commander le patron à l'unité et puis voilà. Donc allez faire un petit tour aussi sur son Etsy, de toute façon tout est en barre d'infos. Et nous on se retrouve au plus tard lundi pour parler tricot. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, je ne sais plus combien, mais lundi de cette semaine où sort le vlog. Alors je tiens à m'excuser pour ma sale tête, je crois que ça ressort davantage à la caméra qu'en vrai. Voilà, hier c'était la fête des mères, du coup aujourd'hui il y a les retombées et
et comme chaque année, c'est pas une période facile. Bref, du coup, je m'en excuse, mais la transition est toute trouvée, c'est déjà ça, puisque c'était la fête des mères et je vous avais dit, pour vous, juste avant, que mon conjoint avait commandé chez The Woolies Kane le kit Les deux font la paire spécial fête des mères. Donc je l'ai reçu et je l'ai eu hier. Ça se présente dans une jolie boîte comme ça. Et donc c'est en partenariat, enfin je sais pas comment on dit, avec Hello Biscuit et Encre Violette, donc Emma Duché. À l'intérieur, il y avait une petite carte comme ça. Deux biscuits. Trop beau. Et que je vous montre à l'endroit, il y avait également ce combo. Alors, c'est de la High Twist 80-20 nylon, enfin Superwash Merino et nylon, 100 grammes pour 365 mètres et le mini de 20 grammes pour 73 mètres. Voilà, lavable à la main ou en machine. Je les trouve magnifiques et effectivement, ça fait très réponse. Hein. Enfin, on y est là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, nous avions reçu par mail le patron que je vous mets juste ici, qui a été travaillé par Emma Duché pour l'occasion et que je trouve magnifique. Alors, est-ce que j'en ferai ces chaussettes-là? Peut-être. Est-ce que je le passerai ailleurs et je garderai le mini pour autre chose? Je sais pas. J'en sais rien, mais je suis trop contente. Les couleurs sont magnifiques. Le jaune, là, j'en avais pas de jaune. Il est à la fois fluo et doux en même temps. Enfin, c'est vraiment le travail de teinturier hein, qui fait ça. Mais c'est trop, trop beau. Donc voilà, quoi qu'il arrive, le patron, je le tricoterai forcément, puisque ce sont des chaussettes. C'est juste qu'il faut pas être pressé avec moi. Ensuite, je vous montre ce que j'ai crocheté. Et alors là, pas grand chose, mais en fait, j'ai pas pu suivre le cal jeudi dernier, le cal de Hanabé, parce que je suis arrivée, il était 21h40 et ça se terminait à 22h. Donc autant vous dire que je me suis dit, tu sais quoi, tu reprendras de zéro et ça sert à rien de suivre le cal en live quoi. Mais voilà, alors hier on a beaucoup rigolé parce que du coup je l'ai rattrapé que d'hier et on était à table à l'apéro et donc je faisais un peu de crochet. Et alors voilà, moi je dis bah oui c'est une grenouille, alors les bras sont pas pareils, les jambes sont pas pareilles, ça vrille dans tous les sens, c'est pas une réussite. Mais en même temps je pense qu'une fois tout assemblé ce sera rigolo. Donc je dis bah c'est une grenouille parce que clairement on a ça qui vient dessus, avec les yeux qui vont se positionner là, je suppose. Hein. Et en voyant que ça, mon conjoint, mon fils... Alors, mon fils me dit que c'est une poule. Mon conjoint, ma belle-mère et mon père me disent, mais clairement, c'est un corps de poulet, quoi. On est bien loin de la grenouille. Bon, écoutez, le live est ce soir. Je crois que c'est le dernier. Donc bah, je reviendrai vous voir pour vous dire si c'est un poulet ou une grenouille. Et puis j'ai avancé aussi mon châle color block parce que c'est une obsession. C'est aussi simple que ça. Que je vous le montre à l'endroit. Ça s'en mêle. Voilà. Hop. Je sais plus où j'en étais la dernière fois. Est-ce que si je fais ça... Oh là. Tac. Je crois que je m'étais arrêtée là. Je sais plus. Oh, je sais plus. Bon, il me semble que j'avais pas encore fait les sections bleu nuancé et bleu de... Alors, bulbe bizarre et wool bag à chaque fois. Voilà. Ça, c'était le printemps, le bouquet de printemps. Le mini, là. Et printemps, je sais plus quoi. Bon, je vous mets en barre d'infos, de toute façon, tout ça. Donc, il me reste à terminer cette section-là. Ensuite, je fais un vert nuancé, un vert comme ça, un jaune nuancé, un jaune comme ça, et il est fini. C'est vite dit comme ça, hein, mais bon. En même temps, ça se tricote assez vite, mais c'est vrai que ce week-end, bon, ben voilà, il y avait du monde aussi à la maison. Et puis, c'est un week-end où... voilà.
Je tricotais uniquement si j'avais envie de tricoter. Donc, j'ai avancé comme j'ai avancé, quoi. Comme il y avait du monde et qu'il me fallait pas beaucoup de concentration au niveau de mes tricots, j'ai repris mon laurier. Mais alors, j'ai pas, vous voyez, la deuxième manche est toujours en attente. Mais la première manche... est quasi terminé. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'ai fait un bidouillage parce que j'ai pas voulu reprendre la vidéo de Stéphaline Made, c'est le gilet laurier du tuto que je vous mets en barre d'infos. Et en fait, j'ai tricoté jusque-là, puis ensuite je me suis dit, bon, c'est bon, je peux passer aux côtes. Sauf que pour passer aux côtes, en fait, j'ai que mes aiguilles 6,5 en circulaire, comme ça. Et donc, j'ai commencé à les faire. En 6,5. On voit bien là, sur deux rangs, je crois. Puis ensuite, j'ai dit, ah ben non, mais ça va pas, ça va être ultra lâche. Enfin, ça va pas me tenir du tout au niveau du poignet. Alors, même si c'est un gilet un peu loose, j'ai dit non, ça le fait pas. Je détricote pas. Je me dis, je vais faire une sorte d'entonnoir comme ça. On va tester. Puis je me prends pas le chou. Enfin, franchement... Donc, les seuls mini-circulaires que j'avais, c'était en 3,5 que j'avais utilisé et que j'avais acheté exprès, les coudées là, comme ça, que j'avais acheté exprès pour mon pull. Comment il s'appelle? Mon pull en jacquard, là, mon seul pull que j'ai fait en jacquard. Je vous remets quelque part par là le patron, la designeuse. Et du coup, je me suis dit, bah bingo, pars en 3,5 et tu verras bien ce que ça donne. Et bah effectivement, du coup, ça resserre, même si ça resserre pas des masses, mais voilà. Et puis ça fait une jolie tresse. Alors j'ai fait, pour que ça resserre davantage, dès le début, hein, j'ai fait des côtes semi-torses ici. Et puis bah je vais faire le double, là, voilà. Et l'autre, je referai pareil, ça me dérange pas en fait qu'au début ce soit avec les grosses aiguilles, puis ensuite que je sois passée sur des plus petites. Je vous avais dit, hein, ce gilet est pas parfait, j'ai hâte de le terminer, j'en peux plus de le voir. J'en peux plus. Enfin, j'ai hâte de le porter en fait. Mais de le voir là dans mon sac et tout, c'est bon, je crois que je l'ai trop fait traîner, mais c'est pas grave. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Il fait un temps, mais c'est pourri. Je regarde toujours par la fenêtre, hein, mais vraiment là il y a un gros nuage noir qui arrive. On se plaint tous et toutes, hein, je crois, là du temps, mais en fait, bon alors ce week-end il a fait chaud, c'était lourd et tout, machin. Et là maintenant, voilà, on va se manger une grosse averse. Je vous avais dit, hein, le souci c'est qu'en plus il pleut toujours dans ma maison. Donc j'en ai marre. Voilà. Bref, c'est la vraie vie en fait. Vous me dites souvent que je suis votre rayon de soleil du vendredi, que je suis solaire et tout ça. Bah là voilà. Alors ça va pas être une semaine sans parce que je me l'interdis clairement, c'est pas possible. Mais voilà, c'est pas aujourd'hui, c'est une journée sans. Ça ira mieux demain, je l'espère. Je suis pas là pour faire, pour me plaindre ou quoi, mais voilà, c'est la vraie vie aussi. Enfin, vous, ça vous arrive certainement, quoi. Vous vous levez et puis rien ne va. Et puis c'est comme ça, faut juste que la journée passe. Et ensuite, le soir, on tricote et ça va mieux. En vrai, déjà, rien que d'être dans mon atelier... Et aujourd'hui, donc j'ai reçu des tissus la semaine dernière, je vous en ai pas parlé, je vous ai dit que je ferai des vidéos spéciales mises à jour de ma boutique qui s'appelle Rondeline de Fil dans une playlist dédiée sur ma chaîne. Mais juste pour vous en parler rapidement comme ça, puisque la mise à jour va pas arriver tout de suite. La semaine dernière, j'ai reçu plusieurs tissus, notamment des cotons, et puis j'ai racheté des velours côtelés parce que bah, ça s'épuise, hein, forcément. Et puis j'aime bien avoir un peu toutes les couleurs comme ça. Après, je mix-max, j'aime bien. Et là, ce matin, voilà, j'avais envie de couleurs, j'avais envie de me faire plaisir à l'atelier. Donc, j'ai coupé plein de duos de tissus pour préparer des sacs en avance.
J'aimerais en fin de semaine bosser aussi sur le patron du classeur modulable aiguille câble, non? Voilà, c'est les choses que j'aimerais faire. J'espère que ça va se faire. Je vais tout mettre en place en tout cas pour le faire. Maintenant, voilà, je sais que là, c'est une période où il faut que... Si je veux que ça suive, il faut aussi que j'arrive à faire à mon rythme et voilà. Donc, pas de pression pour cette semaine et puis j'espère que vous le comprendrez. Et après, ça va rouler davantage. Bref, bah écoutez, enfin, vous savez que je partage un petit peu de trucs avec vous, donc bah, ça fait partie aussi des choses de... Voilà. Si vous ne me voyez pas, peut-être, là on est lundi, peut-être demain, après-demain, je ne sais pas, si vous ne me voyez pas et puis que je reviens qu'une fois avant la fin du vlog, bah, ce sera comme ça et puis c'est tout. Je vous prépare aussi des vidéos spéciales hors série. Alors j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient sorties, mais bon, après tout, on n'a pas toutes les mêmes inspirations. Donc je me dis bah pourquoi pas. Je vous l'avais proposé. L'idée vous plaisait bien sur Insta, donc je vais pas me mettre de barrière parce que les autres le font aussi. Je pense que voilà, il y a suffisamment de designers, designeuses et de patrons sur Ravelry et autres que finalement on peut toutes faire toutes et tous faire des hors-séries à thème et pas vous montrer sans arrêt les mêmes choses. En tout cas, j'espère. Voilà, écoutez, on se retrouve dans la semaine et puis j'ai hâte de tricoter. Un petit peu plus que ce que j'ai fait pendant les 2 jours qui sont passés. Bonjour, alors on se retrouve, on est mercredi midi et je reviens vous voir parce que j'ai terminé allez, une chose et demie, on va dire. C'était quand? Lundi soir, c'était le live de Anna B et donc c'était le dernier, son live pour le cale mystère. Cale CAL puisque c'est au crochet. Je vous avais montré au fur et à mesure mes avancées et donc il est terminé. Nous avons fait une grenouille. Elle est trop mignonne. Donc avec sa petite capuche, normalement ici il y a une attache, je sais plus comment ça s'appelle là, les attaches, bon bref, une jolie, moi j'en avais pas. Celle que j'avais sous le coude, ça faisait pas vraiment l'affaire, donc voilà. J'ai eu l'idée de faire ça en dépannage et puis finalement ça lui fait un petit style que j'aime bien, que je trouve pas dégueu, donc ça va rester comme ça. Voilà, donc elle a un corps, des papattes, rien n'est parfait sur cette grenouille. En même temps, c'était pas ultra évident, alors j'ai adoré découvrir ce que ça allait donner au final. Par contre, toutes ces parties là. Les mains, je sais pas comment on appelle ça, des pattes en fait. On a Milka qui est là forcément et qui demande à sortir, mais elle va attendre un petit peu, du coup vous allez l'entendre. Mais sinon j'ai adoré vraiment, j'ai appris beaucoup de techniques, des choses que je ne savais pas faire, par exemple pour faire ce pied là, enfin monter la jambe sur le pied comme ça à la... verticale. Et donc voilà, c'était vraiment chouette de découvrir cette petite grenouille qui, je crois, s'appelle Renette. Comme dit, elle n'est pas parfaite, il y a des choses à revoir. Et donc voilà, elle est terminée. Oui, je voulais vous dire, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le cal, il me semble qu'elle propose le patron PDF à 3,50 € sur son site. Enfin, allez voir si ça vous intéresse sur son Instagram. Elle a relayé l'info hier ou avant-hier. Il me semble que j'ai vu passer ça pour faire cette petite rainette qui est, ma foi, de saison. Et voilà celle que vous entendez depuis tout à l'heure. Ah ben, alors, ok. Mais ça va être compliqué du coup. Elle ronronne. Attends. Cale-toi. Bah ouais, mais bon. On va essayer comme ça. Ensuite, deuxième projet terminé. Alors voilà. Terminé une sur deux, puisque ce sont des chaussettes. Alors j'ai laissé ma petite aiguille ici parce que les fils ne sont pas rentrés, mais je peux vous la montrer. Je l'ai terminée là. Vraiment ce matin.
Elle est remplie de poils, mais vous m'en voudrez pas. C'est la chaussette boréale de laine poudrée que j'ai fait en version socket. Je vous avais posé la question de ce que vous en pensez de cette idée parce que en fait j'ai très envie de les porter. Et je trouve que les couleurs, c'est un écheveau de Didier au fil d'Horus avec de la stellina. Ça brille vraiment plus en vrai qu'à l'écran, mais on le voit quand même. Et du coup, je trouvais que ça faisait quand même printanier, estival. Et donc voilà, je me suis dit, je vais les faire en socket. Laura m'a dit, effectivement, il y a une testeuse qui l'a fait, donc tu peux le faire. Eh bien, je l'ai fait et je suis, hop, très contente du résultat. Il ne reste plus qu'à faire la deuxième. Je vous mets une photo ici. J'ai pris des photos portées. On se rend un peu plus compte de la dentelle parce que bon, comme ça. Puis en plus, elle n'est pas bloquée. Hein. J'attends toujours d'avoir les deux pour les bloquer en même temps. Quoi qu'on se rend compte quand même. Mais franchement, c'est super beau. Franchement, Laura, à quand le châle flèche? Parce que moi, tu en parles dans tes podcasts, mais en fait, voilà, j'ai très envie de l'essayer, d'autant plus qu'il y a une bagarre de chats et de chiens dehors. Enfin, pas une bagarre, hein. Et c'est en toute amitié, forcément. Mais du coup, c'est pour ça qu'elle est partie et qu'elle était comme ça. Vous voyez ce qui se passait. Oui, d'autant plus que mon châle saison, je l'ai offert à ma belle-mère. Alors, j'en suis ravie. C'est vrai que ce sont ses couleurs. En fait, je l'ai mis autour de moi dimanche, enfin autour de mon cou dimanche. Et puis, elle m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Et j'ai dit, je suis sûre que c'est vos couleurs, ça vous irait bien. Du coup, je lui ai mis autour du cou et j'ai dit, ah oui, effectivement, je lui ai aussi offert des boucles d'oreilles. Quand on est allé au marché de créateurs, bah, de cette créatrice que je vous ai partagée sur Insta, Créazine, alors qui est basée à côté de La Rochelle, mais qui fait des envois vintage, si vous voulez aller voir son Insta. J'adore son travail. Et bon, bref, je lui ai offert à ma belle-mère des boucles d'oreilles aussi au marché de créateurs de dimanche. Mon châle saison allait parfaitement avec ses boucles d'oreilles aussi. Du coup, je lui ai dit bah, bonne fête des mères. Et puis, elle était très contente. Elle est repartie avec. Et apparemment, elle ne le quitte pas. Puisque de toute façon, la température, enfin voilà, ça va quoi. Donc, soit je referai un châle saison. Mais ça arrivera, j'aimerais par la suite. Mais en attendant, j'aimerais bien monter un petit châle flèche. Bon, voilà. Je te mets pas la pression, Lola. Laura, pardon. Pourquoi Lola? On ne sait pas. Mais vraiment, ton châle, quand tu le montres à chaque fois, je bave, quoi. Bon, bref, voilà pour la chaussette boréale. Franchement, alors, c'est pas intuitif au niveau de la dentelle, hein, mais ça se voit, c'est parce que c'est une belle dentelle travaillée. Donc, pour la retenir, enfin, moi, c'est que mon avis, hein. Mais pour la retenir, moi j'ai pas réussi, donc c'est pas grave, c'est super bien fait. J'ai pas fait avec le diagramme, j'ai fait avec les écrits et je m'en suis très bien sortie, n'est-ce pas Gwen? Parce que si vous vous souvenez, cette chaussette je l'ai tricotée en cale avec ma copine, ma tricopine du tricoté. Et sa version était magnifique aussi dans une laine, enfin dans un combo de Didier avec une laine. Pour la partie principale, on aurait dit un bleu jean, c'était trop beau. Ah. On se voit un hein, tricoté. Et puis je dis, mais t'as fait combien de motifs? On n'arrivait pas à voir par rapport à la mienne et tout ça. Bon, on a lâché l'affaire. Et en fait, c'est normal qu'on ne voyait pas très bien parce que bah elle a oublié de tourner la page pour continuer le... en fait, il y a des rangs de 1 à, je dis une bêtise, hein, de 1 à 32, et ben elle s'était arrêtée à 27, par exemple. Et donc, elle avait continué à chin, donc ses motifs n'étaient pas finis. Donc, elle a dit, elle a tout détricoté et elle m'a dit, tu ne m'attends pas, je ne vais pas la remonter tout de suite, ce que je comprends. Hein. Donc, voilà. Et puis, en plus, moi, j'ai fait la version socket, donc voilà. Et puis, j'avance à mon rythme. Vous commencez à connaître la personne. Alors ensuite, eh ben, je vais vous parler de mon encours, qui est une obsession, hein, comme je vous le disais. Je ne sais pas si ce vlog va être très intéressant parce qu'au final, je tricote quasiment que ça. Le châle color block, c'est le chien maintenant qui s'y met.
Oh ben, c'est cool. Voilà, je me recule un petit peu pour vous montrer. Je vous réexplique pas hein, les laines que j'ai utilisées et tout ça, je vous le dis à chaque fois, mais bon voilà. Alors là, il me semble que j'en étais, bon, je sais plus quand je vous l'ai montré. J'étais en train de faire celui-là ou pas encore? Bon bref, j'ai commencé ce magnifique vert que vous avez déjà vu dans ma vidéo précédente ou celle encore d'avant, je crois, puisqu'en fait c'est un des minis de bulbes bizarres que justement ma tricopine a mis en rayure dans les chaussettes qu'elle m'a offertes. Et alors je trouve là que sur le châle, je sais pas, ça apporte du peps. Quand j'ai dit ça à mon conjoint hier, il m'a dit du peps. Voilà, donc ça apporte du peps, vraiment. Je le trouve magnifique. Pour l'instant, là, chez Bulbe Bizarre, celle-ci et celle-ci, sublime. Vraiment trop. Enfin, toutes, en fait. Ouais, toutes, toutes. Et alors, je trouve que mixé comme ça, avec des unis semi-solides, hein, finalement, parce qu'on voit bien les nuances. Hein. Moi, je trouve ça. Vous voyez, j'en achetais pas avant de semi-solides chez les teinturières. Je voyais pas l'intérêt. Je me disais, bah, autant acheter une pelote, en fait, parce que. Enfin, si c'est pour avoir de l'uni, moi, je mets pas 25 balles dans un écheveau. Mais non, non, c'est pas ça. Madeline, elle avait tout faux. C'est beau, en fait. C'est juste beau. Même le bleu, là, on voit les nuances. Ah voilà, tout s'explique, hein, il n'y a pas de secret quoi. C'est pas comme une pelote de laine. Alors, on peut très bien faire ce châle avec des unis, avec des autorayants même, je pense, ici. Franchement, ça peut être sympa aussi, je pense, si on arrive à trouver des couleurs comme ça qui font une sorte de petit dégradé. En tout cas, ce châle, j'en suis fan de chez fan. J'adore le tricoter. Je pense que je vais pas lâcher jusqu'à temps qu'il soit fini. Je vais pas vous dire oui, la semaine prochaine, j'ai pour ambition de faire ci, ça, machin. Celui-là, je l'emmène au tricot. Ah oui, il y a ça aussi. Demain soir, c'est le tricoter, justement. Alors, les filles veulent le voir, donc je l'emmène quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Mais aussi, il y a Paulette, il me semble, qui m'a offert le patron du châle Iris de Odile Knit, qu'on voit et qu'on a vu. Hein. Et forcément, bah, je suis comme ça, comment on dit, un mouton. Et j'avais très envie aussi de le faire avec un écheveau de Didier que j'ai qui est magnifique. Et donc, bah, c'est ce que je vais faire. Et quand j'ai dit dans ma dernière vidéo où je ne sais plus que j'avais envie de le castonner tout, c'est pas grave, je sais que j'ai encore le West. Enfin, c'est moi, ça me rajoute pas de pression en fait d'avoir plusieurs châles comme ça sur mes aiguilles. Au contraire, hop, j'alterne et tout. Lui, vraiment, j'ai oublié les autres projets depuis que j'ai celui-ci parce que j'ai envie de voir les laines qui suivent et tout. Enfin, c'est une exception, on va dire. Mais sinon, j'aime être multi en cours. Et donc, les filles au tricoté, donc il y a 2 semaines, m'ont dit, excusez-moi, je vais demander à mon fils juste d'arrêter un petit peu le temps que je finisse la vidéo. J'en ai plus pour longtemps. Et les filles au tricoté, enfin certaines m'ont dit, eh ben moi aussi je serais tentée pour faire ce petit châle Iris. Et donc j'ai dit, ok, au prochain tricoté, on apporte nos laines, nos patrons et on le castonne. Donc j'emmènerai celui-ci, mais je vais aussi, d'ailleurs il faut que je bobine les chevaux de Didier, que je castonne le Iris. Et donc voilà, ça c'est sûr, vous allez voir dans le vlog de la semaine prochaine ou je ne sais quand, peut-être vendredi matin, vous allez voir le castone de ce châle Iris parce que c'est prévu. Voilà. Mais après, je ne me mets pas de pression, mais je me suis dit quand même, ça pourrait être sympa de l'avoir terminé pour le 30 juin pour les portes ouvertes chez Didier au fil de Russe, justement. J'aimerais bien porter. Mais alors là, c'est du rêve total, hein, Madeline, ça va pas du tout. Dans l'idéal, j'aimerais avoir mon châle Iris autour du cou et mes sockets boréales en laine au fil d'Horus. Mais alors les sockets, à mon avis, c'est quoi?
Quoi qu'il me reste un mois, plus d'un mois, on est d'accord, on n'est pas encore le premier là, nous sommes mercredi 29, presque le premier, mais pas encore. Donc bon, je sais pas, on verra, je vais tout commencer et puis on verra si c'est fini ou pas. Et puis au pire, bah, si c'est pas fait, et bah, j'irai là-bas sans truc tricoté et puis c'est tout, enfin, c'est pas grave. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve, je pense, demain, parce que je vais encore tricoter un petit peu bah, aujourd'hui, ce soir. Et puis après, on se retrouvera certainement, oui, peut-être vendredi matin. Ça dépend. Ça dépend de la longueur de la vidéo et du montage. On se dit donc à plus tard. Je reviens juste pour vous dire une petite chose parce que j'ai pas mal de commentaires et de questions par rapport à mes boucles d'oreilles. Alors rien à voir avec le tricot, mais on me demande souvent où j'achète mes différentes boucles d'oreilles, un peu partout. J'adore mettre des boucles d'oreilles assorties à mes vêtements. Là, je vous ai parlé de Créazine, donc je vous laisse son pseudo Instagram, à moins que je puisse mettre directement le lien vers sa page Insta. Et sinon, bah, dans des boutiques physiques et sur Shein, tout simplement. C'est-à-dire que principalement celles qui vous plaisent beaucoup, les asymétriques là, avec les pâquerettes jaunes, avec les cœurs dans la dernière vidéo, bah, en fait c'est du Shein hein, que j'ai payé 1,50€. Alors je veux pas vous forcer à aller sur ces sites-là acheter. Moi j'avoue que j'ai tellement envie d'avoir des boucles d'oreilles assorties et originales que bah, un jour je suis allée voir sur ce site. Où j'ai une publication, je sais plus, une suggestion, machin. Et en fait, ils en ont plein pour pas cher. Donc, ça ne m'empêche pas ensuite de faire travailler des petites créatrices comme ça. Mais, bah, ma foi, voilà. Vous me posez la question, je vous réponds. Si ça vous dit d'avoir de jolies boucles d'oreilles, il y en a un peu partout. Il s'agit juste de chercher un petit peu et on finit par trouver. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi matin, je suis pas maquillée, je suis plus ou moins coiffée, j'ai pas de boucle d'oreille, rien du tout. Ce matin je suis allée faire une prise de sang et puis quand je suis rentrée, eh ben, je suis pas passée par la case maquillage, je suis arrivée directement à l'atelier parce que je suis en train de faire des sacs. Alors j'ai dit, hein, j'allais vous faire des vidéos mises à jour, elles arrivent mais... J'en ai déjà fait quelques-uns là-bas et voilà, il faut que j'avance parce que dans l'idée, la semaine prochaine, j'aimerais vous en remettre sur la boutique. Donc bah, il faut y aller quoi. mais bon, on s'en fiche au final, c'est moi. je voulais vous parler des chaînes que j'ai regardées parce qu'en fait je me suis rendu compte que bah, je vous en ai pas encore parlé dans cette vidéo. J'ai pas vraiment regardé de chaînes d'abonnés, enfin bien que peut-être qu'elles sont abonnées, il y en a une j'en doute, mais bon, enfin, il y en a deux même où j'en doute, mais bref, peu importe, ce sont des chaînes que soit je regarde habituellement et dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, ou soit que j'ai découvert pour l'une d'entre elles. Donc l'une d'entre elles, c'est la chaîne de Oh les beaux jours. Je ne sais pas comment cette femme s'appelle. Elle nous parle à la fois de couture et de tricot. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, moi, la couture, je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai pas envie de... Voilà, quand je regarde des chaînes, enfin des vidéos, c'est pour que ça parle de tricot. En fait, maintenant, c'est surtout ça. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand donc elle se présente, etc., et en dessous, c'est écrit « Instant couture » avec les minutes où il faut se rendre sur sa vidéo pour arriver au tricot. J'ai dit n'importe quoi. Vous m'avez compris, quand on veut passer la couture et aller au tricot directement, elle nous met les minutes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré en fait sa vidéo. Alors j'en ai regardé qu'une pour l'instant parce que mon temps est limité avec tout ce que je regarde déjà. Ce que j'aime bien, c'est sa façon de nous présenter ses tricots. Par exemple, elle a fait deux chaussettes, bah pareil, pas pareil, mais c'est ce qu'elle dit, elle, ça n'empêche pas de les porter et de les adorer. Donc je trouve ça vraiment cool. Vous connaissez un peu ma philosophie par rapport à ça. Donc je partage totalement son avis. Et puis, bah, c'est tombé comme ça, mais en fait, elle était en train de tricoter le pull là, Little Fox,
Je sais plus le nom, avec les petits renards là que j'aimerais faire pour mon fils, dans une version ultra colorée aussi que j'adore. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi regarder après m'avoir visionné jusqu'au bout, bien sûr, eh bien allez voir Oh les beaux jours, c'est vraiment une très belle découverte. Ensuite, il y a Stefnit. Alors, je vous le mets ici aussi. Stéphanie, je suppose, qui est revenue depuis peu, puisqu'elle a un petit garçon qui a 5 mois, il me semble. Et donc, elle nous avait refait une vidéo, peut-être plusieurs. Enfin, depuis qu'elle était revenue, j'en avais regardé une. Et là, je suis retombée sur sa chaîne parce que YouTube, on ne comprend pas pourquoi parfois dans nos suggestions, ils nous mettent des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de regarder. Mais ils ne nous mettent pas. Voilà, ce genre de vidéo quoi. Bon, bref. Donc, pareil, elle a fait un gilet. Alors, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas mes couleurs. C'est dans une couleur un peu marron beige. Enfin, vraiment, le gilet est magnifique. Je sais pas si je pourrais tricoter ça parce que déjà, c'est un gilet et que moi, les gilets. Voilà. Et en plus, c'est pas des couleurs que j'affectionne tricoter. Mais alors, le rendu, il est sublime. Et puis, ça lui va tellement bien, quoi. Donc, n'hésitez pas, si vous la connaissez pas, à aller la voir également. Ses chaînes sont toujours très intéressantes. Enfin, ses vidéos sont toujours très intéressantes. Ouh là là. Ça se voit que ce matin, c'était compliqué. Et donc, voilà, allez la voir. Ensuite, j'ai regardé, mais pas jusqu'au bout, parce que là, justement, j'étais en train de regarder sa vidéo et je me suis dit, je ne l'aurais pas dit en fait cette semaine les chaînes que j'ai regardées. Enfin, en partie, parce qu'il y a toujours Au fil d'Horus, Audrey, d'ailleurs, Audrey, si tu passes par là, encore merci beaucoup pour tous tes gentils mots. Je regarde toujours Petit bout de bricole, Corinne, enfin la Miss Knitter, tout ça. Donc ça, je vous en parle comme ça quand j'ai des choses à vous dire en rapport. Mais celle que je regarde et dont je n'ai pas parlé ici, eh bien voilà. Et donc elle en fait partie, c'est Angélique de la chaîne Angélique Knits. Décidément, ce mot en anglais, là, tricoter en anglais, j'ai horreur de le prononcer. C'est pas naturel pour moi, ça. Bon. Et donc, je vous ai dit, hein, j'ai commencé sa vidéo, mais je l'ai pas fini. Mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Là, elle nous a présenté un pull dans une couleur, pareil. Sublime pour la saison, là. Enfin, ça met de la joie. C'est une couleur ultra pétillante qui lui va divinement bien, forcément. Elle a fait également un châle dont j'ai oublié le nom. Donc le pullover, c'est Prime. Bon, bref, allez voir sa chaîne. J'adore, franchement, j'adore. Je ne loupe aucune de ses vidéos. Voilà, là, elle a été un petit moment aussi sans poster parce qu'elle a déménagé et elle est partie dans le sud, au soleil. Genre, elle dit que chez elle, ça y est, il fait chaud, qu'elle n'est pas sûre de reporter des pulls et tout. Bah, je t'envie, hein. Franchement, je t'envie. Bon, allez voir sa chaîne également si vous ne la connaissez pas. Et si vous la connaissez, eh ben, c'est parfait. Vraiment, voilà, c'est une phrase qui n'a ni queue ni tête. Bon, bref, je vais me remettre à la couture et je vais continuer de visionner sa vidéo. On se retrouvera. Alors, je vous montre pas parce que hier j'ai tricoté mon châle color block pour changer. J'ai fait la partie. J'en étais où? J'ai commencé la partie vert pistache semi-solide là, qui est sublime aussi. Donc en gros, il me reste la vert pistache,
La jaune de Bulbe Bizarre et la jaune de Woolbags. Et après, il est fini. Et je pourrais le porter parce qu'il fait un temps exécrable encore. Mais moi, ça me réjouit pour pouvoir porter ce châle. Laissez-moi au moins une semaine où je puisse m'emmitoufler dans mon châle. Puis ensuite, ça y est, c'est bon. La chaleur, le soleil et tout ça. Ok. Mais là, vu que je suis en train de le finir, si vraiment je pouvais pas le porter, ça me rendrait tellement malheureuse. Non, mais il faut se satisfaire du nécessaire. Faut se satisfaire de ce qu'on a, vous voyez. Bon, bah là, on a un temps pourri, mais on peut porter nos bottes transparentes, nos chaussettes tricotées, nos pulls et nos châles un peu moelleux, doudou. Donc voilà, faut voir le côté positif de la chose. Ça, c'était la petite blague pour ce que j'ai tricoté, mais je vous le montre pas là parce que déjà je l'ai pas. Je vous prends juste comme ça parce que déjà je l'ai pas. Et puis je pense que maintenant je vous le montrerai quand il sera complètement fini, à moins que vraiment ça me démange et que j'ai envie de vous le montrer. Ce soir, il y a tricoté, donc normalement, enfin c'est pas normalement, c'est sûr. On castonne le châle iris. On va être deux, en fait, je pense à le faire. Peut-être trois si la troisième trouve son combo. Et peut-être plus s'il y en a qui font pas partie du groupe WhatsApp qu'on a créé et qui veulent se joindre à nous. Enfin voilà, hein, ce sera toujours avec plaisir. Donc j'ai bobiné tout ça. C'est magnifique, je vous mets la photo ici. Décidément. C'est une cata. Je vous mets une photo ici de ce que donnent les écheveaux bobinés et finalement j'ai choisi. Alors donc, celui qui était prévu pour ce châle, c'est-à-dire le... je sais plus comment le nom de l'écheveau de Didier au fil d'Horus. Et avec, j'avais dit, je prendrais de la jawole jaune néon. Et puis en fait, vous savez, j'ai reçu le kit de la fête des mères réponse de The Woolies Kane. Franchement, l'écheveau dans les tons roses, je ne peux pas l'utiliser pour des chaussettes. Pour moi, c'est pas possible. Donc, il passera dans un châle, je pense. Un châle ou un jacquard, peut-être, je ne sais pas encore. Et donc, le mini, je me dis, mais c'est jamais perdu un mini. Enfin, voilà. Et bah, le mini, il va parfaitement, enfin dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais le mini va parfaitement avec les cheveux de Didier, quoi. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Hein. Donc voilà, je reviendrai vous montrer demain mon caston. Si ça se trouve, j'aurais vraiment fait trois rangs, mais je reviendrai au moins vous montrer ça. Et puis après, la vidéo sera finie. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. Peut-être pour une vidéo, et j'espère une vidéo mise à jour, peut-être pour une vidéo hors série, comme on dit, inspiration, je sais pas quoi, enfin bon, voilà, je sais pas encore. On se retrouve quoi qu'il arrive demain matin rapidement pour que je puisse vous montrer mon avancée du châle Iris de Dilknit. Oh bah décidément, hein, ça veut pas, voilà, Odile truc, Odile tricot. Moi, ça me va comme ça. Bon, et vraiment, désolée pour ma tête, mais apparemment, ça vous dérange pas. Moi non plus, ça me dérange pas. Donc voilà, je vais pas m'empêcher de filmer juste parce que je suis pas maquillée. Hein. C'est, je me suis brossé les dents. Je me suis habillée. C'est le principal, non? Bon, allez, je vous dis à demain. Finalement, je reviens vous voir là. Il me reste quelques minutes avant de partir au tricoter parce que j'ai lancé une story comme ça m'a pris comme ça. Et en fait, je vous propose de participer à un cal pour tricoter le châle Iris ensemble. Donc voilà, ça se passe sur Instagram. Pour l'instant, on est 10. En fait, j'oublie souvent que quand je lance une idée comme ça, probablement qu'il y en aura des intéressés plus loin. Donc on est 10 pour l'instant. Si vous souhaitez nous rejoindre, ça se passe sur Instagram dans une discussion dédiée qui s'appelle... Cal Chaliris, tout simplement. Voilà, moi je le commence ce soir, mais vous pouvez le commencer quand vous voulez. Alors le cal va pas traîner éternellement. À un moment donné, ça va s'arrêter forcément. Mais voilà, je vous dis
Jusqu'à la prochaine vidéo, vous pouvez vous inscrire pour le... Vous inscrire, vous m'envoyez un message en disant je souhaiterais rejoindre le local, et puis voilà. Voilà, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, comme ça on se laisse une semaine, et puis après je prendrai pas de nouveaux participants à ce cal pour éviter qu'on soit trop nombreux, nombreuses, parce qu'après moi-même j'ai du mal à suivre les conversations, je mets des cœurs de temps en temps, mais voilà. Donc si ça vous dit je sais que ce châle a été tricoté plusieurs fois, je sais qu'il a été tricoté en cale également. Voilà, il n'y a pas de souci si vous l'avez déjà tricoté, si vous n'y avez pas pensé et que vous n'avez pas envie. Enfin, voilà, c'est juste si l'envie vous dit de me rejoindre pour tricoter ce châle, que vous avez votre combo, go quoi. Voilà, c'est tout. Allez, on se retrouve demain matin. Bonjour, alors on se retrouve ce matin dans un cadre. Ouais, je me suis dit, il fait beau, autant s'installer dehors. Je viens de rentrer de l'école et je voulais vous montrer ce que j'ai tricoté hier au tricoté. Alors, je vous avais dit que j'allais commencer le châle Iris de Odile Tricot. Je le fais dans cette laine-là. Pas sûr que la luminosité soit fofolle, mais bon, c'est pas grave. J'ai ma chienne qui se balade sur le rebord de la piscine. Voilà. Bon. Donc, c'est la laine de chez Au fil d'Horus et avec, j'utilise le mini qu'on a eu dans le kit de la fête des mères. Voilà. Ce que j'ai fait au tricoté, eh bien, c'est ça. J'ai tout juste commencé. Parce que si je me mets comme ça, on voit mieux. Là. Donc, au tout début, le temps que la maille centrale se mette en place, c'est. Non, mais vraiment, quoi. Et pour elle, il n'y a aucun souci. Pour elle, c'est normal. À la fin de cette vidéo, quoi. Bon. Le temps que la maille centrale se mette en place, c'est un peu casse-tête. Enfin, on voit pas exactement ce qu'on fait quand on est sur ce sur cette toute petite partie-là, ce tout petit début. Mais une fois que c'est mis en place, et ça roule, j'ai envie de dire, plutôt tout seul. Donc, voilà, j'adore vraiment le rendu de la laine. La couleur est magnifique. On a beaucoup rigolé hier, donc aussi on n'a pas beaucoup avancé, mais j'ai envie de dire un peu comme d'habitude en fait. C'est-à-dire qu'on va tricoter pour, là en l'occurrence pour rire, pour parler et puis pour tricoter un petit peu quoi. Voilà. Et d'ailleurs Mélo, si tu passes par là, elle a castonné aussi son châle, mais alors elle l'a refait plusieurs fois. En plus, elle est arrêtée sans arrêt, donc je comprends que ce soit pas évident, mais dans 2 semaines, elle aura avancé, je n'en doute pas. Je voulais vous montrer aussi, puisqu'on en profite pour faire des commandes groupées de temps en temps, et donc il y a 2 semaines, on a lancé une commande, enfin Mélo a lancé une commande groupée avec les filles du tricoté, et bien j'avais décidé de prendre de la Katona pour pouvoir faire mes amigurumis, parce que vraiment la qualité, j'adore. Donc j'ai pris des couleurs que je n'avais pas en stock, sauf celle-ci, enfin je l'ai pas vraiment en stock, mais j'ai déjà des couleurs peau comme ça. Donc c'est la couleur 255. Et après, j'ai pris des couleurs que j'avais pas du tout en stock. Je vous dis pas toutes les couleurs, mais si ça vous intéresse, vous me laissez un message en commentaire et puis je vous dirai. J'ai pris des couleurs un peu peps. C'était le mot de cette vidéo, je crois. Voilà. C'est une petite commande, mais ça va m'être bien utile pour faire mes amigurumis. Et d'ailleurs, il faudrait que je termine celui avec les petites fraises là. Ça va venir. Eh bien, écoutez, je vous dis donc à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite un bon tricot.